Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur les difficiles aventures. On se retrouve pour une saison 4 inédite, la suite de nos constructions sur le serveur des difficiles aventures. Eh oui, on commence une nouvelle saison, ce qui va permettre à tous ceux qui ne connaissent pas encore la série, eh bien tout simplement de la découvrir à travers un petit récapitulatif de nos projets les plus importants, à travers des petites cinématiques qui j'espère vous plairont. Et pour tous ceux qui connaissent déjà les difficiles aventures, eh bien attendez-vous à une présentation un petit peu particulière. J'ai fait pas mal de nouveautés dans ma façon de tourner les épisodes et puis j'espère que les plans, les différentes séquences autour de la cité contemporaine par exemple, vous permettront de mieux saisir l'immensité de la chose. Donc c'est parti, petite visite guidée à travers le serveur et on se retrouve tout de suite après pour conclure cet épisode un peu exceptionnel. Nouvelle saison, wouhou!
voilà les amis, on se retrouve. Alors il n'était pas possible de tout montrer, et en plus certaines zones de la cité contemporaine sont encore très peu aménagées. C'est le cas par exemple de la zone du stade, du quartier riche aussi qui se trouve au nord de la ville. La région du barrage et du lac de retenue nécessite également un gros terraforming qu'on attaquera probablement en live. Je me trouve actuellement, bon, comme vous l'avez sûrement vu, à côté de l'observatoire de la ville, qui fera partie du futur campus universitaire, avec l'hôpital que construit en ce moment Marco Sokolov. Sur la carte, on peut voir plusieurs routes qui n'existent pas encore, et ainsi que de gros projets qui débuteront bientôt dans cette saison 4, à savoir un centre spatial tout à l'ouest de la cité et un aéroport au sud. La saison 4 promet d'être riche en grosses constructions. Allez, maintenant il est temps de partir vers un autre environnement du serveur. Il est temps de partir vers l'Égypte ancienne. Et voilà les amis, j'espère que ce survol de la cité égyptienne vous a plu et vous a rappelé de bons souvenirs.
Il reste encore des petites choses à faire dans cette cité égyptienne, notamment tout ce qui concerne le grand quartier riche où nous attendent des palais somptueux de la cité ancienne, de la cité antique. Et puis on aura aussi pas mal de petits détails à finir, du terraforming, à peupler la ville avec des PNJ et puis à terminer les environs proches de la cité. Donc on a encore pas mal de choses et je compte bien retourner dans cette cité égyptienne pour la saison 4. Il est hors de question de la laisser abandonner. Allez, maintenant, on va partir pour le dernier gros projet commun que l'on a lancé au cours de la saison précédente, à savoir une cité Maya. C'est parti. Et voilà les amis pour le dernier projet commencé il y a peu de temps sur le serveur. C'est un projet commun, on a construit ça à plusieurs et l'objectif est vraiment de reconstituer une cité Maya la plus fidèle possible à la réalité historique, d'où les couleurs un peu particulières et qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Alors pour l'instant, vous l'avez vu, il y a très peu de bâtiments, mais on prévoit de continuer cette zone et de construire d'autres temples, d'autres zones d'une cité Maya. Et ce sera présent dans la saison 4 en live et en épisode. Donc j'espère que ça vous plaira. Bien, et il ne nous reste plus, avant de nous séparer, qu'à faire un ultime petit bond, un ultime petit voyage vers une dernière zone du serveur. Les amis, on se retrouve dans la zone des mini-jeux. Cette zone que vous avez un petit peu aperçue dans l'introduction de l'épisode, la zone d'Halloween qui est juste au-dessus de ma tête là-bas derrière, et puis la zone du difficile, un des mini-jeux que l'on a mis en place lors de la saison 3 qui est juste autour de moi. Alors, cet épisode se termine après un rapide tour de tous les projets vraiment importants de la saison 4. La cité contemporaine, ce sera le plus gros projet, la cité égyptienne et la cité Maya. Et de temps en temps, on viendra un petit peu faire des petits trucs dans la zone des mini-jeux ici même. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous adresser à vous, viewers, un énorme merci pour être aussi fidèle à la série des difficiles aventures depuis maintenant presque 5 ans. Je crois qu'on en est à 4 ans et demi. Je remercie énormément toute l'équipe des difficiles aventuriers. Ils sont nombreux maintenant, ils apparaissent tous sur le logo en début d'épisode à chaque fois. Et donc, tous les liens sont dans la description pour aller voir leur Twitter, leur chaîne, etc. Je vous invite aussi, si vous découvrez la série avec cet épisode de la saison 4 et ou si vous avez envie de la faire découvrir, je vous invite à partager, à retweeter, à liker, etc. Et surtout, 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 à commenter cet épisode. N'hésitez pas, posez vos questions, faites vos remarques, dites ce que vous avez apprécié, dites ce que vous avez moins aimé.
Et enfin, je vous sollicite une autre fois, les viewers, une dernière fois dans cet épisode, à savoir pour la saison 4, j'ai prévu d'intégrer dans la cité contemporaine, dans le quartier de Brooklyn notamment, que vous avez vu tout à l'heure, des constructions de viewers. Et pour cela, j'ai besoin de vous. I need you. Vous pouvez m'envoyer sur le Discord, le lien dans la description, des images, des maps de vos constructions pour la cité contemporaine. Et si elles correspondent à ce que j'ai envie de mettre dans la cité, si elles s'intègrent bien avec les autres bâtiments et si elles vont bien dans le périmètre de ce que j'ai choisi de mettre, eh bien je construirai ces constructions. Et on commencera dès l'épisode prochain avec une construction que j'ai déjà fait en live, la rediff est sur la chaîne, et vous pourrez voir un timelapse de cette construction avec donc un bâtiment d'un viewer. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très bonnes semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des Difficiles Aventures saison 4. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et j'espère que vous serez nombreux à la partager. Allez, à très bientôt les amis. Salut, salut.